Seigneur vous bénisse. Gloire à notre Seigneur. Nous disons encore merci à notre Dieu pour ce moment glorieux qu'il vient de nous accorder. Est-ce que nous sommes tous dans la joie? Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Comme David disait, j'ai la joie quand on me dit allô dans la maison de l'Éternel. Puisque là nous avons satisfaction. Là nous avons des bénédictions. Là nous glorifions notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis encore merci à notre Dieu parce qu'il m'accorde encore cette grâce à travers notre pasteur, et j'ai eu encore cette grâce d'être devant vous. Pour moi, je dis au Seigneur, ce n'est que la grâce du Seigneur. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse notre pasteur de ce qu'il a exprimé encore son amour envers moi, et que sa grâce a été encore une fois révélée. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Il est merveilleux, notre Dieu. Tout est pour un but. Et je sais que Dieu a fait encore. Que je sois au milieu de vous, c'est pour un but. Et si je dis merci à vous d'avoir prié pour moi, puisque vous avez prié pour moi, cela a fait que je sois encore au milieu de vous. Puisque vous étiez encore dans l'expectative d'écouter quelque chose de la part du Seigneur, Dieu a fait que je vienne au milieu de vous. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et si que Dieu bénisse le pasteur. Que oui. Dieu bénisse notre papa Landou. Que Dieu bénisse le pasteur Moussendo. Que Dieu bénisse le diacre des administrateurs. Et toute l'équipe, les chandres, les vases. Je sais que vous tous, vous priez pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je prends cette opportunité pour vous dire au revoir. Puisque je dois rentrer à l'Est. J'aurai besoin de vos prières. Puisque nous sommes dans la zone rouge, nous avons besoin de vos prières. Oui, j'ai passé un très bon moment au milieu de vous. Et je me suis senti à la maison. Je me suis senti chez nous. Toutes les fois que je venais à l'église, je sentais que c'est ici chez moi. C'est ici à la maison. On s'est senti à la maison. Et j'ai été comblé, j'ai été béni. J'ai passé de grands moments durant tout le mois que j'ai passé à côté du pasteur. C'était que bénédiction sur bénédiction. C'était que puissance sur puissance. J'ai vu la gloire du Seigneur. Oui. La vie des miracles, c'était la vie normale. Ne pas voir un miracle commencer à être anormal. Oh, quel moment merveilleux je vécu. Et je rentre à la maison avec tout un paquet de témoignages. Peut-être il fallait tout un livre pour exprimer tout ce que je vis comme témoignage. J'ai vu le Dieu vivant agissant à travers la chair humaine. J'ai vu le Dieu de Branham en action à travers son serviteur, notre pasteur Baruth Kasongo. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu lui accorde de longues vies. Amen. Amen. Oh, gloire à notre Seigneur. Oui, c'était merveilleux des moments que nous avons passés. Et pour moi, c'était comme si je suivais le soleil. Chez nous, à l'Est, nous utilisons des panneaux solaires. Puisque nous n'avons pas de grandes centrales hydroélectriques. Alors, je sentais comme si j'étais chargé au fil et à mesure. Oui, souvenez-vous.
J'avais participé à la première campagne, c'était à Bunia. Nazaraki na campagne de l'Ebosé, na Bunia. Et là, j'étais chargé. Après cela, c'était à Bumba. J'étais rechargé. Et puis c'était en Bandaka. J'étais chargé de plus. Et puis ici, à Rigini, j'ai été chargé encore davantage. J'ai évolué jusqu'à Boma, j'étais chargé. En Mwanda, j'étais encore une fois chargé. Voilà, j'ai suivi le parcours du soleil. Et j'ai vécu un moment très glorieux. Oui, je voudrais rester ici le plus longtemps possible. Comme avait fait la reine de Seba. Mais à cause des responsabilités, je suis obligé de rentrer. Je suis obligé de rentrer à l'Est. Est-ce que vous prierez pour moi? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je suis votre frère. Je suis aussi fils de la maison. Oui, je suis ici depuis longtemps. Quoique les circonstances de la vie ont fait que je sois loin de vous. Mais j'ai découvert ce tabernacle depuis 97. Et Dieu m'a béni de rentrer à l'Est. Et je suis très content d'être encore au milieu des miens. Et surtout d'être changé, d'être connecté encore davantage. Que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci à vous tous. Je dis encore merci à ma grande sœur qui est ici au milieu de nous. Si ça ne me dérange pas, elle peut s'élever. Elle m'a beaucoup encadré, dira tout au moi. Que Dieu la bénisse, elle est là. Amen, je vis avec elle. Je vis après elle. Voilà, que Dieu la bénisse. Elle prie beaucoup pour moi. Elle était beaucoup inquiétée pour moi. Que Dieu la bénisse aussi. Que Dieu bénisse son mari et toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse vous tous pour toutes vos interventions. Que Dieu soit loué. Et si nous allons prier le Seigneur, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi pour ce moment glorieux que tu viens de nous accorder, encore une fois d'être dans ta présence. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège que nous avons de ta part d'être dans ta maison. Oh Seigneur, nos cœurs sont remplis d'expectatives de te voir encore une fois sur la scène, puisque nous sommes ici pour te voir, toi le Dieu vivant. Seigneur, ton peuple s'attend à toi. Puisses tu te manifester Seigneur et montrer encore ta gloire au milieu de nous. Alors que je vais lire les Saintes Écritures, toi-même viens te révéler à ton peuple. Et parle-nous, Seigneur. Montre-nous tes voies, Seigneur. Assigne-nous ta parole. Oh Dieu, vivifie-nous encore. Seigneur notre Dieu, certainement nous avons besoin de toi. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Accorde à ce qu'il soit ici, Père. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Car c'est dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos livres dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Depuis le premier verset jusqu'au verset 9, nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort.
Mais enlève-toi par ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez le territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Frate. Tout le pays de Éthiopie et jusqu'à la grande mer. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'a détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons nous mettre alors que nous continuons la lecture. Au verset 16 et 17. Ils répondirent à Josué à Disa. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi. Comme il a été avec Moïse. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Dans Nombre 27, Moïse parla à l'Éternel et dit: que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte de Vaé et qui entre de Vaé, qui le fasse sortir et qui le fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Eliezer. Et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant
de ta dignité. Okosale te yepe a sanganana lokumu oyo yo. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous aurons comme titre « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Je vous avais donné le devoir d'aller lire la brochure à questions. Je pense que vous avez lu ça, il y a certains qui ont lu ça. Et ça va nous permettre d'avancer, d'avancer sa problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, nous avions mis un fondement là-dessus. Car nous avions parlé de rester tranquille. Amen. Amen. Nous devrions nous tranquilliser. Gloire à notre Seigneur. Nous avons passé des moments merveilleux la fois passée. L'expectative. Est-ce que ça nous a beaucoup inspiré? Le pasteur nous a parlé de l'expectative. Nous devons nous attendre toujours à quelque chose. À quelque chose de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons l'expectative pourquoi? Puisqu'il y a une promesse. Puisque nous nous attendons à quelque chose. Puisqu'il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Quand nous avons cette profondeur en nous, certainement, nous serons dans l'attente. Et nous verrons quelque chose. C'est ça la foi parfaite. La foi qui est reposée sur une promesse. Où ça devient une réalité devant toi. Le prophète dit dans les paroles infaillibles de ses promesses, il dit que quelqu'un qui va sa promesse, c'est un aventurier. Amen. Amen. C'est un aventurier. Il ne sait pas là où il va. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Ce n'est que de l'aventure. Et dans l'église du Dieu vivant, si nous sommes sa promesse, nous devenons des aventuriers. Si nous ne savons pas ce que nous suivons, ce ne sera que de l'aventure. Et ça finira très mal. C'est comme ce peuple qui était sorti de l'Égypte. Ils étaient nombreux. Il y avait des ramassis parmi eux. Ils partaient là où ils ne savaient pas. Ils ne croyaient pas à la promesse de Dieu. Ils allaient tout simplement. Et cela a causé des ennuis dans le désert. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Comment à Kadesh Barnea. La situation était très critique. Et les gens ont douté de la promesse. Alors qu'ils étaient à Kadesh Barnea. Ils étaient presque dans le pays. Regardez si la carte d'Israël aujourd'hui. Kadesh Barnea, c'est d'Israël. C'est une partie d'Israël. Mais ils ont murmuré. Ils étaient à la frontière. Ils ont murmuré. Et ils sont rentrés dans le désert. Dans le désert. Pour 40 ans. Pourquoi? Puisqu'ils avaient murmuré. Mais il y avait Josué et Caleb qui sont restés sur la promesse de Dieu. Qui n'avaient pas douté de la promesse. Malgré le problème. Malgré les circonstances. Ils sont restés fermes. Amen. Amen. Même quand ils sont rentrés dans le désert, et ils savaient qu'on devrait entrer, ils ont pris Dieu au mot, et ils se tenaient à la promesse. Et Dieu les avait donné une assurance. Dieu les a dit, vous vous entrerez. Tout le monde va mourir dans le désert. Mais vous vous entrerez. Vous entrerez avec la nouvelle génération. Gloire à notre Seigneur. Amen. Vous entrerez avec la nouvelle génération. C'est ça la promesse que nous avons. Amen. Amen.
Ils ont voyagé durant 40 ans. Ils sont revenus encore à la frontière. Cette fois-ci, ils étaient vis-à-vis de Jéricho. Mais ils n'avaient pas encore traversé. Le Jourdain. Et Moïse commençait à sentir qu'il va faire entrer le peuple. Jusque-là, Moïse savait que c'était lui qui devrait faire entrer le peuple. Depuis le buisson ardent jusqu'au Jourdain, Moïse avait l'assurance que c'est lui qui devrait faire entrer le peuple. Mais Dieu lui dira: toi aussi, tu n'entreras pas. C'était un moment difficile pour Moïse. Lui qui avait la pleine assurance qu'il fera entre le peuple. Lui qui avait beaucoup souffert avec ce peuple. Mais voilà, on lui dit que toi aussi tu n'entreras pas. Toi tu n'entreras pas. Et Dieu sait-tu comme ça. Moïse était dans l'embarras. Moïse devait se demander: mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu sait ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et il a un programme. Et son programme, c'est un programme éternel. Gloire à notre Seigneur. Il savait ce qu'il était en train de faire. Et il a dit à Moïse: pour toi, le travail est fini ici. Et Moïse a dit: Seigneur, mais comment est-ce que ton peuple va rester sa guide? Comment ton peuple va rester sa pasteur? Ce n'est pas possible. Et Moïse, Dieu a dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun. Et impose-lui les mains. Il sera ton successeur. Gloire à notre Seigneur. Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu a toujours un homme sur lequel déposer son esprit. Amen. Amen. Il avait toujours quelqu'un. Il a toujours quelqu'un qui doit continuer avec son œuvre. Son œuvre ne peut pas rester dans l'air comme ça. Et si on devrait mettre la main sur Josué afin qu'il soit le pasteur du peuple d'Israël et faire entrer le peuple dans le pays promis. C'était le premier exode. Et nous avons vu que cela devrait se répéter dès le dernier exode. Cela devrait être de la même façon. Et j'avais suivi le pasteur en train de montrer combien de fois Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Il doit y avoir quelqu'un qui doit continuer avec l'œuvre de Dieu. Amen. C'était une grande position que Moïse avait occupée. Et on ne pouvait pas s'imaginer quelqu'un qui pouvait prendre la place de Moïse. Il avait une grande responsabilité. Et qui pouvait se mettre dans le trône de Moïse? Qui pouvait prendre la place de Moïse? C'était une question difficile. Gloire à notre Seigneur. Mais Dieu avait la réponse. Dieu avait la réponse. Dans la sixième vision, dans le sixième songe qu'un frère avait eu, il y avait des songes que les frères avaient eu, les frères et les sœurs, montrant comment frère Branham devrait aller à l'ouest. Et là, un des songes, c'était que frère Branham était placé dans un lieu élevé. Et le frère se demandait: comment est-ce que frère Branham est arrivé jusque-là? Et frère Branham lui dira:
Personne ne peut arriver là-bas si ce n'est Dieu lui-même qui l'aurait mis là-bas. Gloire à notre Seigneur. C'est une position où c'est Dieu lui-même qui doit sélectionner la personne. Que Dieu soit loué. C'est Dieu lui-même qui devrait établir quelqu'un. Et Dieu lui-même avait pourvu. Dieu lui-même a choisi Josué pour succéder à Moïse afin de faire la traversée. Moïse, il savait qu'il allait accomplir la promesse. Mais lui, il a amené seulement le peuple jusqu'au Jourdain. Il ne pouvait pas évoluer. Et Dieu lui a dit, monte sur la montagne Nebo. Et là, tu vas mourir là-bas. Gloire à notre Seigneur. Il devrait mourir. Il devrait être absent. Il devrait se retirer de la scène. Moïse était en train de faire posséder le peuple, le pays. Là devant les Juifs, Moïse venait de se venger contre les Moabites. Dieu avait dit à Moïse, va et venge-toi contre les Moabites et frappe les Moabites de ce qu'ils avaient fait en faisant tomber le peuple d'Israël dans les péchés de Baal-Péor. Et il y avait une bataille contre les Moabites et on avait tué Balaam, le faux prophète, et on avait récupéré des villes. On avait récupéré aussi la montagne de Nebo qui appartenait à Moab. Et le peuple d'Israël avait occupé ce terrain qui était au dessin du fleuve. Et dans la Bible, il est dit ceci, qu'il y avait le peuple, la tribu de Ruben. Il y avait aussi la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Ils sont venus dire à Moïse, Moïse, nous voudrions rester ici. Nous trouvons qu'il y a un bon pâturage et nous trouvons qu'on peut s'établir ici. Moïse était très fâché. Il a dit, vous voulez faire ce qui s'est passé à Kadesh Barnéa. Nous devons traverser. Pourquoi vous voulez rester ici? Ils sont dit, non, loin de nous la pensée. Loin de nous la pensée de refuser de traverser. Nous devons nous aussi traverser. Moïse les a dit, expliquez-moi ce que vous allez faire. Ils ont dit, nous allons combattre. Nous allons aussi traverser le Jourdain. Nous allons combattre à côté de nos frères jusqu'à ce que chacun ait sa possession. Moïse a dit, j'irai devant l'Éternel. Et Moïse les a dit, vous allez posséder ce pays ici si seulement si vous traversez le Jourdain et que vous aidez vos frères partout jusqu'à ce que chaque tribu ait sa possession. C'est là que vous retournerez et que vous resterez avec vos familles. Gloire à notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Et à Ruben, on avait donné Nebo. Nebo appartenait directement à Israël. Donc cette partie au-dessus du fleuve appartenait à Israël. Et il y avait à peu près trois tribus qui avaient possédé cette partie-là. Puisque Dieu avait promis que Israël, il va posséder jusqu'à Euphrate. Gloire à notre Seigneur. Mais la plénitude de la promesse, c'était de traverser le Jourdain. Donc Moïse est mort à Nebo. C'était une partie de la terre d'Israël.
C'était déjà conquis par Israël. Israël. Et il y avait les enfants de Ruben qui gardaient cela. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux, notre Seigneur. C'était une belle expérience que les enfants d'Israël ont vécu. Ils ont eu un temps. Un tas de pleurs. Ils ont pleuré, Moïse. Mais à un certain moment, ils devraient se ressaisir. Et avoir le temps de traverser et de posséder le pays. C'était le premier exode. Souvenez-vous que cela se répète dans le troisième exode. Moïse, c'était comme s'il préparait une plateforme pour Josué. Tous les efforts que Moïse avait fournis, c'était pour Josué. Tous les préparatifs de Moïse, c'était pour Josué. Tous les 40 ans, c'était pour Josué. Toute l'expérience du mont Sinaï, c'était pour préparer quelque chose pour Josué. Amen. Amen. Josué avait déjà vu un peuple qui était sorti, mais un peuple qui n'était pas arrivé. Il y avait d'autres qui étaient déjà arrivés à portion. Amen. Amen. Qui étaient déjà dans leur possession. La tribu de Ruben. Qui étaient déjà dans leur possession. Mais ils devraient traverser. Leur possession était conditionnée. Ils devraient posséder cela si seulement s'ils continuent avec leurs frères. S'ils ne le faisaient pas, on devrait les ravir cette portion de terre. Ils avaient déjà reçu la loi au mont Sinaï. Un grand fondement pour Josué. Puisque dans la commission de Josué, on lui a dit, tu réussiras si seulement si tu médites la loi de Moïse jour et nuit. Si seulement tu médites cette loi et que tu agisses selon cette loi. Gloire à notre Seigneur. C'est pourquoi vous aussi, nouvelle génération, votre secret est de la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète, William Marion Branham. Nous avons reçu la loi sur notre mont Sinaï. Sur Sunset Mountain, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons déjà un fondement qui peut nous aider à posséder chaque portion du pays. Dieu a souligné, il a dit, médite cette parole jour et nuit. C'est ce que nous devons faire. Nous devons lire le message et vivre le message jour et nuit. Demeurez dans la parole. Gloire à notre Seigneur. Et là nous aurons le succès. Et Dieu a ajouté, n'aie pas peur. Dieu a ajouté plusieurs fois. Il lui a dit, n'aie pas peur. Sois tranquille. Devant les événements, ne t'aimais pas frissonner. Oh, peuple de Josué. Oh, peuple de Josué. Vous devrez être un peuple avec assurance. Des gens qui ont la foi. Des gens qui ne sont pas des aventuriers. Des gens qui ont la promesse. Dieu a dit, nous les croyons et nous les verrons s'accomplir. Que Dieu soit loué. C'était un peuple spirituel. Frère Branham dit ceci. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au paragraphe 17. Il a dit ceci. Oh, gloire à notre Seigneur. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit ceci. Oh. Hey. Quelle grande leçon. Oh, Nelitea. Quelle grande chose lorsque nous avons comparé l'église naturelle à l'église spirituelle.
Ecclesia oyo ezomona na ecclesia ya molimo. Dieu traita avec Israël. Wana nzamba zali ko naturel. Wana nzamba zali ko sala na Israël na nzoto. À ce jour-ci. Pe zali ko sala pe na ecclesia ya mikolo. Alors qu'il appelle hors des nations un peuple pour son nom. Na tango zali ko benda ko benga libanda na bikolo peuple moko pona ko bolai. Il traite avec cela. Azali ndeko zali moyo ko na bango na molimo. Comme il traitait avec cela. Nika zali moyo ko na ba oyo wana kuna. Dans le naturel. Na nzoto. Elles sont juste en parallèle l'un avec l'autre. Tout ce que Dieu a fait avec eux, et tout ce que Dieu a fait avec eux, a fait pour eux, et tout ce qu'ils ont fait en réponse, cela nous fait laisser à titre d'exemple. Et nous voyons que jusqu'ici la parole a été accomplie exactement de la même façon. Comme dans le naturel. Lorsqu'ils avaient une victoire, une petite. Lorsqu'ils avaient une victoire, une petite. Ils s'installaient pour se réjouir. Gloire à notre Seigneur. Toutes les fois qu'ils avaient une victoire, ils s'installaient. Et ils se mettaient à danser. Ils se mettaient à glorifier le Seigneur. Ils se mettaient à passer à revue tout ce que Dieu a fait. Ils s'installaient pour se réjouir. Et pour crier. Et danser. Et louer Dieu. Juste comme l'Église l'a fait. Et maintenant, ils ont attendu 40 ans d'ouverture de quelque chose d'autre. Toutes les fois qu'ils avaient une victoire, ils se réjouissaient. Ils étaient dans la réjouissance. Ils étaient dans la joie. Amen. Amen. Nous devons glorifier le Seigneur. Nous ne devons pas être un peuple ingrat. Dieu aime ça. Dieu veut que son peuple se réjouisse. Pour chaque victoire, petite ou grande, il se mettait pour se réjouir. Oh, c'est ce que j'aime beaucoup de Baruch du Tabernacle. Vous réjouissez pour chaque victoire. Vous glorifiez le Seigneur pour chaque victoire. Vous dites gloire au Seigneur. Vous acclamez votre Dieu. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites, c'est ce que j'avais vu. Des multitudes en train d'acclamer l'agneau pour dire gloire à l'agneau, car il est digne, il est glorieux, il est merveilleux. Quand vous vous réjouissez dans la présence du Seigneur, Dieu est très content. Dieu déverse encore ses bénédictions. Ça vous donne la force, ça vous donne du courage de continuer. Puisque Dieu, il aime que ses enfants soient en paix, que ses enfants soient dans la joie, que ses enfants aient du courage. Il a dit à Josué, aie bon courage. Dieu veut avoir un peuple courageux pour posséder le pays, pour posséder la terre promise. Il a besoin d'un peuple courageux, pas des gens qui ont des soucis, pas des gens qui se mettent à regretter. Frère Branham dit que ce peuple de Josué, c'était un peuple courageux. C'était pas des gens qui murmuraient de la terre promise. Nous n'avons pas besoin des gens qui murmurent. Nous n'avons pas besoin des indisciplinés. Nous n'avons pas besoin des gens qui veulent rentrer en Égypte. Nous avons besoin des gens qui vont de l'avant. Amen. Des gens qui sont capables de dire, le pays nous appartient. À cause des murmures, Moïse a fait commis des erreurs. Mais vous, peuple de Dieu, ne murmurez pas. Moïse a fait dire au peuple de Dieu, il a dit, vous, le peuple, vous m'avez fait pécher. À cause de vos murmures, voici, je ne veux pas entrer dans le pays.
Faites beaucoup attention. Bokeba mingi. Ne murmurez pas. Boima imate. Amen. Amen. Le murmure te fait reculer 40 ans. Koima imekozo kso simambula tukuminei. La déception te fait reculer 40 ans dans le désert. Mawe kozo ngisa yombula tukuminekete nabiliki. Dieu a besoin de ce peuple. Nzabazana bosinga peuple. De ce peuple audacieux. Peuple yo ya moto. De ce peuple ambitieux. Peuple yo alingi makamba minene. De ce peuple qui peut aller de l'avant. Peuple ko ngondeli boso. Et tenir ferme. Peko telemangui. Oh gloire à notre Seigneur. Oh nkemo na nkolo na biso. C'était un moment difficile. Ezalaki tango moko ya pasi. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham lobi boye. Il dit ceci. Lobi boye. Moïse. Mose. Il avait pris position pour l'Éternel. Ye azwaki ngambo ya Yahweh. Il avait une essence particulière. Mbotema na Israeli ya ndenge. Il avait raté beaucoup d'opportunités. Ah zangaki mabakwebele. Mais il avait failli. Ya kweyaki. Pourquoi? Pona nini? Il avait failli. Akweyaki. Puisqu'il voulait faire des choses de sa façon. Pwete lingeko sala makambo na lolenge na ye. Il voulait libérer le peuple de Dieu par sa force. Yalingeko kangola peuple ya nzambe na makasi na ye. Et il a fui dans le désert. Pe akimaki na biliki. Dieu lui a donné l'expérience du buisson ardent. Nzamba memi eko pika na likambo ya batiti peuple de Dieu. Akangola peuple ya nzambe. Mais à cause de l'incrédulité de son assemblée. Kasi na tina na kosala kondima ya yanga nelo na ye. Lui aussi il a failli. Ye pa kweyaki. Il a commis des erreurs à cause de l'incrédulité. Il était dans la déception. Frère Branham dit, je suis inquiet à cause de l'Amérique. Il dit, je ne prierai plus pour l'Amérique. Puisqu'ils ont été incrédules à la parole de Dieu. Ils ont vu Dieu sur la scène. Mais ils ne se sont pas repentis. Frère Branham était fâché. Il voulait aller dans le désert. Et se cacher là-bas. Dieu lui a dit, si tu fuis dans le désert, si tu fuis dans la brousse, ta femme va te quitter. Tu seras un vagabond. Tu seras un vaurien. Frère Branham a commencé à prêcher. Il dit, vous êtes des riquiers, des riquetas. Dieu lui a dit, attention. Ce sont mes enfants. Il était fatigué. Alembaki. Au fur et à mesure qu'il prêchait, et l'incrédulité augmentait. Jusqu'à ce qu'il approche l'état présent de mon ministère. Ils ont dit, tous m'ont abandonné. Et Dieu lui a donné la loi. Amen. Amen. Il lui a donné la parole. Frère Branham a dit, peut-être je prépare une plateforme pour quelqu'un d'autre. Et dans la brochure, la marque de la bête, il dit, alobi. Oh Dieu, laisse-ce qu'après mon départ, que quelqu'un d'autre vienne, qu'il continue avec ceci, qu'il continue avec ce message. Gloire à notre Seigneur. Amen. Et Dieu a répondu à sa prière, comme il avait répondu à la prière de Moïse. Dieu devrait répondre à sa prière. Dieu devrait envoyer Josué. Amen. Vous allez dire, avec tout ce que Frère Branham a fait, oui, avec tout ce que Moïse avait fait, son temps était terminé. Mais il avait laissé quand même la parole. Amen. Amen. Il avait laissé la parole. Atika ki liloba. Il a laissé le Saint-Esprit dans le cas. Atika ki molimo sato marako. L'ange de l'Éternel était là. Moi, je yawa, mais il fallait traverser. Kasi esengere bakatisa. Il fallait traverser. Esengere bakatisa. Mais on ne devrait pas traverser sans un homme. Kasi esengere ko katisa te kozanga moto. On devrait attendre. Esengere bazela. Frère Branham ti. Ndeko Branham alobi. Josué devrait attendre. Yosu esengere ko zela. Un don spécial. Qui devrait venir pour lui permettre de traverser. Frère Branham dit, les gens sont venus dire à Josué, traverser. Josué a dit non, le moment n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Ils ont attendu. Frère Branham dit, Dieu n'avait pas confiance à quelqu'un d'autre.
Il avait seulement confiance à Josué. Il fallait que ce soit Josué seulement pour faire avancer le peuple de Dieu. Dieu n'avait confiance à quelqu'un d'autre. C'est seulement Josué qui devrait faire la traversée. Que le nom de notre Seigneur soit béni. La même chose est en train de s'accomplir maintenant. Cette écriture est accomplie devant vous. Gloire à notre Seigneur. Cette écriture est accomplie devant vous. Dieu vous a envoyé un don. Dieu vous a envoyé un berger. Amen. Amen. Dieu vous a envoyé Josué avec une grande responsabilité. Frère Branham dit la responsabilité de Josué était plus grande que la responsabilité de Moïse. C'est une grande responsabilité puisque c'est lui qui accomplit la promesse. Moïse les a fait passer dans le désert. Moïse les a donné la loi. C'est une très bonne chose. Mais Moïse ne les avait pas fait entrer. Moïse n'a pas établi chacun dans sa position. Ça, c'était la responsabilité de Josué. Amen. Amen. Une plus grande responsabilité. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Frère Branham, prends ta plume et écrit, il lui a dit, Malachie 4 n'est pas encore complètement accompli. C'est encore quelque chose qui est en train de pousser. Mais un jour ça arrivera. Puisque Malachie 4 ne peut pas être accompli par les prophètes seulement, il faut que les enfants soient ramenés. Que les enfants soient ramenés à la foi des apôtres. Où sont ces enfants? La nouvelle génération. Ces enfants-là qui doivent posséder le pays. Ces enfants-là qui doivent être adoptés. Où sont ces enfants? Frère Branham pleurait jour et nuit. Il disait, où est cette église? Cette église qui peut croire toute la parole. Cette église qui peut manifester la plénitude et la puissance de Dieu. Où est cette église? Il dit, je crois que cette église est en route. Je crois que cette église arrivera. Cette église qui doit posséder le pays. Gloire à notre Seigneur. Et vous, vous êtes ce peuple-là. Ne vous sous-estimez pas. Sachez que vous êtes ce peuple-là. Le peuple élu du Seigneur. Ce peuple-là qui jubilait. Ce peuple-là qui glorifiait Dieu. Ce peuple-là qui voyait Dieu sur la scène. Le peuple élu de l'Éternel. C'est vous, ce peuple-là. Puisque vous avez Josué avec vous. Avec une grande responsabilité de prononcer la parole. C'est le moment de prononcer la parole. Dieu a dit à Josué, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras. Dieu lui a donné un chèque blanc. Gloire à notre Seigneur. C'était à Josué de remplir et de posséder le pays. Et le peuple de Josué, c'était un peuple courageux, fort. C'était un peuple travailleur. Amen. Amen. Un peuple qui se tenait à la promesse de Dieu. Un peuple, qui était capable de travailler très dur. Dans la brochure, tenez-vous tranquille. Il a dit ceci. Un jour, il a dit ceci. Tenez-vous tranquille, 26.
jour, alors que les enfants de Dieu venaient conformément à la parole de Dieu pour posséder le pays. Maintenant, ne l'oubliez pas. Dieu leur avait donné le pays là en Égypte. Il a dit, ce pays-là est votre dans son entièreté. Or, les gens aujourd'hui s'attendent à ce que Dieu descende et les pousse par le cou. Ils disent oui, c'est bien, fais-moi sortir, purifie-moi, guéris-moi, et je croirai à toi. Dieu ne tourne pas son affaire comme cela. Il vous donne la promesse, mais il vous faut vous battre pour chaque centimètre du terrain que kasi, vous possédez. Ça, c'est le peuple de Josué, un peuple guerrier, un peuple qui arrache la promesse, un peuple qui use de violence pour entrer dans le pays. Pourquoi Dieu n'est-il pas allé là-bas chasser carrément tous les Amoréens, les Hittiens, les Phéniciens? Pourquoi ne les a-t-il pas simplement chassés? Non, Israël avait quelque chose à faire. Et vous avez quelque chose à faire. Gloire à notre Seigneur. Dieu a dit, ce pays-là est votre. Allez à posséder. Est-ce que je vous assourdis, frère Branham dit, c'est un pays qui vous appartient. C'est votre pays. Vous devez le posséder. Amen. Amen. Vous devez avoir l'assurance. Vous devez être un peuple fort. Frère Branham dit que le peuple de Josué, c'est un peuple insouciant. C'est un peuple sans souci. Peuple moko sans souci. Oh, gloire à notre Seigneur. Nous avons besoin de ce peuple-là. Frère Branham dit ceci. Donc je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 55. Il dit ceci. Oh, gloire à notre Seigneur. Oh, mon encolo l'abisso. Il dit, maintenant Josué, dans tout ceci, ça fait que le commandement était grand. Mais ayant l'assurance, il pouvait être sa crainte. Dieu a souligné, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Il pouvait être ce que nous pouvons appeler un insouciant. Tant qu'on lui indiquait la bonne direction, il aurait dû et il aurait pu échouer contre une colline qu'il aurait assommée par derrière, mais il avançait dans la bonne direction. Et si l'église du Dieu vivant peut être insouciante, si on vous indique la bonne direction, car il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il n'a jamais abandonné Moïse. Il n'a jamais délaissé Moïse. Il ne délaissera pas Josué. Il ne nous délaissera pas. Il sera avec nous. Gloire à notre Seigneur. Il a dit ceci. Et lorsque nous trouvons Josué prêt à accepter cette commission, sachez que sa responsabilité consistait maintenant à conduire le peuple à travers le pays maintenant. Il devrait passer dans l'autre pays. Il devrait établir le royaume. Il devrait leur partager l'héritage. Il savait que la commission était extraordinaire. Que c'était beaucoup plus que
ce que Moïse avait fait. Josué avait plus à faire que Moïse. La responsabilité de Josué, une très grande responsabilité. Et si c'était une très grande responsabilité, donc Josué devrait avoir la double portion de l'esprit qui était sur Moïse. C'est pourquoi Josué, il pouvait se tenir et commander. C'était un commandant. C'était un général. Amen. Amen. On devrait écouter tout ce qu'il dit. Il devrait donner des ordres. Et cela devrait être accompli. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de gens à dorloter. Dieu a besoin de soldats. On ne dorlote pas un soldat. Le soldat va par commandement. Et vous, si vous devez posséder le pays, vous devez marcher selon les commandements de Dieu. Amen. Que Dieu donne une inspiration à Josué. Tout le monde devrait suivre cela. Puisque c'était l'ainsi dit le Seigneur. C'était un peuple obéissant. C'était un peuple respectueux. C'était un peuple dynamique. Gloire à notre Seigneur. C'est le moment, mes bien-aimés, où l'écriture doit être accomplie. Alors que notre Josué, frère Branham, s'est déjà reposé, c'est le moment où nous devrons voir Josué sur la scène. Le peuple avait dit, si seulement si le Dieu de Moïse est avec toi, nous t'obéirons à tout. Est-ce que nous avons vu le Dieu de Branham avec notre pasteur? Est-ce que nous avons vu l'onction qui était sur Branham sur lui? Est-ce que nous avons vu l'action de Dieu suivre sa vie? Alors nous devons être rassurés. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de prendre possession du pays. Baruti Tabernacle, vous avez vécu un moment glorieux. Dieu a fait la même chose comme pour Josué. Josué devrait faire traverser le peuple. Et souvenez-vous, après beaucoup d'années, les gens se demandaient, où va le message? Où est la vraie dynamique? Où est la colonne de feu qui suivait frère Branham? Où est le Dieu vivant? Vous ici, vous avez vu Dieu. Vous avez traversé le Jourdain. En 1993, la colonne de feu est venue. Amen. Amen. Et vous avez vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est bon, on dit que les Judas se typifient mourir. C'était le baptême du Saint-Esprit qui vous fait entrer dans le pays. Amen. Amen. Vous avez vu la colonne de feu devant vous. Et vous avez marché de puissance à puissance, de gloire à gloire. Ça fait plus de 20 ans. Le réveil qui a commencé à Rikini continue encore. Le réveil de Rikini continue encore. Pourquoi? Puisque ce n'est pas un réveil dénominationnel. C'est un véritable réveil. Frère Branham dit que le réveil dure seulement 3 ans et demi. Et après cela, ça finit. Mais le véritable réveil continue. Ça, c'est une preuve que votre réveil, c'est un véritable réveil. C'est le réveil pour posséder le pays, pour voir Dieu en action, pour que chacun soit adopté. Frère Branham, voulez voir ces
jour. Voulez voir cette église? Voulez vous voir comme Moïse? Il s'est levé dans le monde. Il a démontré la puissance de Dieu. Dieu l'a confirmé. Les gens n'ont pas cru à lui. Les gens ont douté. Il a manifesté le premier poule. Le deuxième poule. Et Dieu l'a condamné. Dieu lui a dit: tu veux enseigner les choses spirituelles au petit bébé pentecôtiste? Ça, ça appartient au grand poisson. Et Dieu lui a dit: il y a un peuple qui arrive. Amen. Amen. Il y a un peuple qui arrive, qui croira à la chose. Et le prophète a dit: je crois que mon ministère ici aurait du succès en Afrique. Il a dit: si je peux être en Afrique, le troisième poule sera en action. On lui a refusé de revenir en Afrique. On lui a refusé de prêcher en Afrique. Mais il a fait ses soucis jusqu'à la dernière minute. Et il a dit: Dieu m'a dit que je rentrerai en Afrique. Est-ce que c'était une fausse prophétie? Loin de là. Loin de là. Puisqu'il y avait Josué qui devait venir. L'œuvre que Moïse devrait accomplir. L'œuvre de faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Moïse ne l'a pas fait. Mais Josué l'a fait au nom de Moïse. Amen. Amen. Josué a accompli la promesse. Et la promesse de Malachi 4 est en train de s'accomplir maintenant. Maintenant, on peut voir les enfants de Malachi 4. Sans les enfants de Malachi 4, Malachi 4 n'est pas accompli. Il faut qu'on trouve les enfants de Malachi 4. C'est pourquoi Élie, du temps de la fin, il a fini planter la semence. Et cette semence, c'était la semence pour préparer. Pour préparer la pluie de l'arrière moisson. Alléluia. Il a semé lui aussi. Il a fait une semence. Et il fallait que le moment arrive pour la manifestation de la plénitude de la promesse. Jusqu'à 63. Et au-delà de 63, cet homme s'il n'avait pas terminé de semer. Il continuait à semer. Il a continué à semer. Il a continué à semer. Quand il voulait manifester la puissance de Dieu, Dieu lui a dit non. Laisse ça. Emmagasine la nourriture. Bomba bilei. Emmagasine la nourriture. Bomba bilei. Prépare la plateforme. Bongisa etando. Pour cet homme puissant qui viendra après toi. Bona moto nanguya wena zali koya sima na yo. Prépare le terrain pour Josué. Bongisa nzela pona Josué. Prépare la parole. Bongisa liloba. Qui fera oye kosala que ton peuple puisse posséder le pays. Et des peuples n'ont pas beau tout l'emboca. Les pentecôtistes ont essayé. Les pentecôtistes ont essayé. En 1906. Na 1906. Le Saint-Esprit était descendu. Moi, mon sœur, tu as comme au jour de la Pentecôte. Quand on a quitté là. Mais après 3 ans. Quand le réveil était terminé. Quand on a quitté là qui. C'était par William Seymour. Et c'est là qui. William Seymour. Américain. Qui était borgne. Il a manifesté la puissance de Dieu. Et quand les blancs sont venus. Donc, mindele baye. Les blancs se sont retirés. Ils ont pris le feu. Ils ont voulu aller commencer un réveil bien ordonné. Ils ont organisé le réveil. Et le réveil s'est éteint. Et Dieu n'a pas oublié son peuple. Amen. Amen. En 1909, la colonne de feu est descendue sur un enfant. C'était notre Josué. Et Dieu avait dit à Frère Branham: faites attention. Prépare d'abord la parole. Avec les miracles, ça ne tiendra pas. Il faut qu'ils aillent la parole.
Amen. Amen. Les gens pensaient que l'arrière pluie était descendue. Mais il fallait d'abord l'assemassement. Kokona. Et frère Branham a commencé à semer. Frère Branham a semé. Il nous a amené la parole. Tiens-toi à la parole. Kangamana liloba. Et avec cela, tu réussiras. Que toutes tes entreprises. Na misala na c'est pourquoi nous disons aux dénominationnels. Vous ne pouvez pas aller très loin avec le Saint-Esprit sans la parole. Vous devez avoir le message du temps de la fête. Sinon, votre réveil va s'éteindre. Ça ne peut pas aller très loin. Il faut d'abord le message du temps de la fête. Vous devez avoir la loi de Moïse pour rentrer à Canaan. Et nous devons avoir le message pour posséder le pays, pour posséder chaque portion du pays. Nous devons avoir la parole de Dieu. Dieu a eu pitié de nous. C'est pourquoi nous voyons la promesse de Dieu. Moïse est mort de l'autre côté. Mais Josué est entré. Amen. Amen. Élie le Tishbite est venu. Il a prêché la parole. Lui aussi. Il n'est pas resté à Israël. Quand il avait accompli sa mission, le feu était descendu, la pluie était descendue, mais Jézabel avait fait fuir. Jézabel avait fait fuir. Il a fui. Où ça? Est-ce que vous savez là où il avait fui? Lui aussi il avait fui à Sinaï. Il a fui au mont Horeb. Et là il a fait des tremblements de terre. Il a fait des secousses. Et Dieu lui a dit, ton boulot est fini. Tu as fui devant la femme. Devant la femme Jézabel. Ton travail est arrivé à sa fin. Il lui a dit, alors, va oindre Élisée à ta succession. Kende kopakola, Elisa mafuta po kitana yo. Va oindre aussi Jéhu comme roi d'Israël. Kende pe kopakola, Yehu. Va oindre aussi Azaël comme roi de Rissi. Azaël okola mokonzi ya Rissi. C'était ainsi dit le Seigneur. Ezalaki maloba nkolo alobi. Est-ce que Élie avait fait ça? Élie asalaki yango. Il avait oué seulement une seule personne. C'était Élisée. Élisée. C'était lui qui était oué. Est-ce que la prophétie de Dieu n'était pas accomplie? Puisque Élie le prophète n'avait pas oué Jéhu. Il n'avait pas oué Azaël. Azaël. Non. Il y avait Élisée. Qui devrait accomplir cela. Amen. Amen. Élisée devrait accomplir cela. Et Élie, au moment où il devrait faire la remise et reprise avec Élisée, Élie est sorti de Canaan. Élie a bimaki na Canaan. Élie est allé jusqu'à Jéricho. C'est comme si Élie rétrogradait. Il est sorti de Bethel. Il est allé à Jéricho. Il est sorti de Jéricho. Il est allé au Jourdain. Il est arrivé au Jourdain. Il est traversé de l'autre côté. C'était le signe de sa mort. C'était la fin de son ministère. Il est sorti de la terre promise. Et c'était la fin de son travail. Et il a fait la remise et reprise. Élisée a reçu la double portion. Élisée devrait rentrer en Israël. Élisée a frappé le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Amen. La même chose qu'Élie avait fait. Élisée a fait la même chose. Il est entré dans la terre promise. Il a traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise avec la double portion de l'esprit d'Élie. Et il a commencé. Il a commencé le travail. Gloire à notre Seigneur. Il a fait une parfaite soumission à Élisée.
Tous les prophètes sont venus s'agenouiller devant Élisée. Gloire à notre Seigneur. Élie était de l'autre côté. Son travail était fini. Mais Élisée. Élisée, il est entré dans Canaan. Il a commencé à manifester la double portion. Est-ce que nous n'avons pas vu la double portion? Moi j'ai fait l'inventaire. Déjà 10 morts sont ressuscités. Plus de 10 morts sont ressuscités dans le ministère de notre pasteur. Amen. Amen. N'est-ce pas ça la double portion? Double portion. Beaucoup de fous sont guéris. Alors que Frère Branham nous parle d'un fou et de certains fous, bien sûr, qui étaient guéris, mais dira la campagne. Trouver autant de fous qui guérissent du coup. C'était glorieux. Amen. Amen. Prononcez la parole. Sakola liloba. Pas seulement ça. Il n'est pas seul à le faire. C'est ce qui fait la différence, mes bien-aimés. Moïse était seul. Frère Branham était seul. Mais le pasteur Baruti, il est pasteur. Amen. Amen. Les autres aussi sont en train de posséder le pays avec lui. Montrez-moi là où une ville a fait autant de miracles. Frère Branham qui témoignait beaucoup de gens, il a seulement dit: Neville prophétise. Asakolaka. Oui. Iyo. L'esprit qui était sur Moïse était répandu sur les 70. Et so, mais qu'est-ce que les 70 avaient fait? Ils avaient seulement prophétisé. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Kasilelo, tous ceux qui sont connectés à notre pasteur, ils manifestent la dynamique. Ils ressuscitent le mort. Les aveugles voient. Amen. Amen. La puissance de Dieu est manifestée. Ça, c'est la double portion de l'esprit d'Élie. Ça, c'est le travail de Josué. Je me disais, oh mon Dieu, pourquoi notre prophète travaillait seul? Il parlait de Aurore Robert, mais il n'a pas parlé de nos bien-aimés, de nos bien-aimés comme Perry Green. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qu'ils ont reçu du prophète? Qu'est-ce que tous ces gens ont fait? Mais aujourd'hui, nous sommes connectés. Nous avons Josué sur terre. Et tout le monde, pour avoir son héritage, devrait venir sur Josué. Même Caleb, avant d'aller prendre sa terre, il est venu devant Josué. Il lui a dit: Josué, Moïse m'avait promis que Hébron m'appartiendra. Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Tous les vieux routiers qui ont vu Frère Branham devraient venir chez Josué. Lui dit: Branham avait promis ceci. Pourquoi je ne le vois pas? Ça. Amen. Amen. Les gens devraient être suffisamment courageux. C'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment où nous devons ôter le voile. C'est le moment où nous devons voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et nous serons un peuple béni. Et nous allons voir Dieu sur la scène. Et nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Tenons-nous de la promesse du Seigneur. Allons de l'avant. Soyons courageux. Ne murmurons point. Souvenez-vous, mes bien-aimés. Ne murmurez pas. Amen. Amen. Canaan n'est pas le millénium. Nous sommes dans le troisième exode. Amen. Souvenez-vous, nous sommes dans le troisième exode. Et nous sommes déjà dans notre pays. Nous sommes dans Canaan. Posséder le pays. Le millénium viendra après. Le millénium, hein, c'est voir Jésus.
physique sur la terre. Ça, ça viendra après. Mais maintenant, c'est Josué qui est sur la terre. Et chacun doit posséder le pays. C'est pourquoi qu'il y a des campagnes d'évangélisation pour posséder chaque territoire de la terre. Quand vous appelez notre pasteur évêque général du Congo, vous diminuez son ministère. Il a fait la remise et reprise. Avec Moïse. Il est le berger de toute la terre. Il est le berger du monde entier. Il est le pasteur du monde entier. Il a reçu le bateau du commandement. Il est le pasteur de tout le monde sur la terre. Que vous le vouliez ou pas, il est votre pasteur. Dieu lui a donné cette responsabilité. Et il doit posséder. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné du courage. Pour avancer. Et bon courage. Dieu lui a dit courage. N'aie pas peur. Sois courageux. Et le peuple de Josué. Le peuple de Josué. Doit dire amen. Amen. Être courageux. Et posséder chaque porte de l'ennemi. Allez de l'avant. Et vous verrez tout le monde entier entre vos mains. C'est vous qui posséderez le monde entier. Le monde entier est entre vos mains. C'est le moment d'aller gagner Rahab la prostituée. Gloire à notre Seigneur. Toutes les villes doivent tomber devant Josué. C'est pourquoi à chaque campagne d'évangélisation la ville tombe. Gloire à notre Seigneur. Ce sont les campagnes de Josué. Chaque ville doit tomber et nous devons posséder cela. Nous n'allons pas abandonner cela. Nous n'allons pas faire comme Moïse. Nous allons posséder. C'est le travail de Josué. De posséder. D'établir là. Un poste de garde. Gloire à notre Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes errés? Vous êtes un peuple béni. Maintenant, je peux chanter. Je suis heureux de dire je suis le d'entre eux. Je suis heureux d'être identifié par ce peuple. C'est le moment d'accepter et de vous tenir et d'accepter votre délivrance. Est-ce que nous croyons que nous sommes des Canaan? Est-ce que nous ne sommes plus des aventuriers? Nous avons la promesse. Et nous croyons à la promesse. Tenons-nous debout. Et que chacun accepte sa guérison. Et que chacun accepte sa délivrance. Je défie quiconque a un problème ici de se lever et d'accepter sa délivrance, d'accepter sa bénédiction. Car le moment est arrivé pour posséder chaque porte de l'ennemi. Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous n'avons plus de confusion. Nous allons tout droit et nous avançons jusqu'à ce que chaque âme soit entrée. Dieu a dit, vous ne vous reposerez pas tant que chacun ait sa position. C'est pourquoi, mon frère, tu as une grande responsabilité. Tu ne vas pas te reposer tant que ton frère n'est pas délivré. Si tu as
remercie le Saint-Esprit. C'est le moment de prier. De gémir. Pour que ton frère ait le Saint-Esprit. Si tu es béni, c'est le moment de dire que mon frère soit béni aussi. Puisque tu ne posséderas pas totalement ton héritage tant que ton frère n'a pas encore possédé aussi son territoire. Oh, gloire à notre Seigneur. Il est notre délivrance. Il est vivant. Il vous accorde la délivrance. Souvenez-vous, soyez courageux. Soyez courageux. Zala Nampiko. Tu as souligné cela plusieurs fois. Et l'Esprit de Dieu le souligne encore pour vous. Baruch Tabernacle. Soyez courageux. Ne murmurez pas. Allez de l'avant. Ne cherchez pas de faute dans votre Josué. Allez de l'avant. Dieu est avec Josué. Amen. Amen. Comme il était avec Moïse. Et Dieu est avec vous. Vous avez l'onction sur vous. Vous avez l'onction sur vous. J'ai expérimenté cela quand on quittait Mbaraka. Quand on vivait Boma. Les enfants de Dieu se sont énervés contre le taximen. Puisque nous avons donné un mauvais taxi. Ils ont dit, nous ne voulons plus de ce taxi. Et le taxi s'est arrêté. Et le guidon s'est bloqué. Et volant est bloqué. Faites beaucoup attention. Bokeba. Baruch Tabernacle. Baruch Tabernacle. Vous êtes sous l'onction de l'adoption. Bozana, tout ce que vous direz s'accomplira. C'est pourquoi vous devez surveiller vos langages puisque ça va s'accomplir. Vous êtes sous l'onction de l'adoption. Vous êtes sous la promesse de la vision de la tente. Vous êtes dans cette grande tente que le prophète a beaucoup rêvé. Il a dit, où est cette tente? Où trouvez-vous cette cathédrale où le troisième poule va s'accomplir? Vous êtes dans cette cathédrale-là. Marchez dans l'amour, dans l'amour divin. Marchez dans la joie, dans la paix comme votre pasteur le fait. Et vous serez bénis. Ressemblez à votre pasteur et vous verrez la gloire du Seigneur. Allez de l'avant. Soyez courageux comme votre pasteur. Et vous verrez Dieu accomplir de grandes choses dans vos vies. Ce Dieu-là qui peut visiter un frère dans l'hôpital et la colonne de feu descend sur la radio et guérit le malade. Ce Dieu-là où Calom dit où est ce Dieu de Baruti, il vient sur la scène et l'onction traverse sa main et il est guéri. Peuple de Dieu, vous avez vu des merveilles. Vous n'avez plus droit au doute. Vous êtes un peuple de la promesse. L'autre Dieu au monde. Vous êtes béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que je laisse la place au pasteur. C'est le moment de prendre Dieu au mot et de dire, j'accepte la promesse. C'est ma promesse. Dieu l'a promis, je le crois. Et vous le verrez s'accomplir. Lève-nous. Tenez les mains. Quel moment glorieux. Quelle bénédiction. C'est le temps de louer Dieu. C'est le temps de l'adorer. Parce qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Jésus est dans le camp. Nous devons posséder le pays. Le baptême du Saint-Esprit. La colonne de feu visible dans l'église. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Et manifestez les troisième poules. Reconnaissez votre position. Et
reconnaissez la position du berger. Parce que Dieu nous a donné un berger qui nous montre le chemin. Soyez connectés. Soyez connectés à l'action de Dieu. Et vous avancerez. Possédez le pays. Possédez votre territoire. Réclamez votre montagne. Dites, donnez-moi ma montagne. Et chacun prie le Seigneur. Réclamez votre montagne. Votre bénédiction. Votre positionnement, parce que vous devez être adopté. C'est aujourd'hui le jour des fils. Aujourd'hui l'âge de l'adoption. Ne soyez pas distrait, mes frères. Priez le Seigneur. Oh, ça me donne la joie. Ça me bénit. Et je sais qui je suis. Et je sais qui est mon berger. Je sais qui est mon Josué. Ce que je dois faire, c'est d'être connecté simplement à l'action de Dieu. Priez le Seigneur. Nous sommes à un coin. Il faut un connaisseur et faire le coin. Nous avons longtemps construit des murs. Nous sommes à un coin. Et là, il faut des vrais bâtisseurs. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Nous sommes à un coin. Oh, que Dieu soit loué. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Comme une bénédiction de cette prédication. Alors soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur a promis. Soyez remplis. Soyez remplis au nom de Jésus. Merci Père Céleste. On peut dire à Siméon, nos yeux ont vu la gloire de Dieu. Frère Branham, repose-toi en paix. Parce que nos yeux ont vu la continuité, la relève, et le travail est bien fait. Soyez remplis au nom de Jésus. Peuple de Jésus, soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Peuple de Jésus, soyez rempli. Parce que vous avez reconnu votre berger. Il n'est pas seulement pour le Congo, mais il est berger pour le monde entier. Regardons la qualité du travail. Amen, amen, amen. Amen. Priez. Bondela. Et soyez bénis. Pepambolama. Priez. Bondela. Et soyez remplis. Betonizama. Priez. Bondela. Et réclamez votre montagne. Priez. Bondela. Et soyez guéri. Bebikanando. Au nom de Jésus. Nakomona Yesu. Oh, merci Seigneur Jésus. Madoni Nkolo Yesu. Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Gloire à toi Seigneur. Kembona Nkolo. Tu n'es pas un Dieu de l'histoire, mais tu es un Dieu vivant. Un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui a manifesté des enfants de Malachi 4. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père Céleste. Encore une fois Seigneur. Parce que la chevelure est en train de pousser. La chevelure est en train de pousser. Donne-moi ma montagne Seigneur. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera fait. Parce que la vérité a été proclamée. Recevez ce que vous désirez. Au nom de Jésus. Merci Père. Gloire à toi. Merci Jésus. Parce que tu nous as parlé. Parce que tu nous as béni. Parce que tu nous as rassurés. Parce que tu nous as fixés. Et que ta parole se réalise. Merci Jésus.
De la parole qui a été prêchée, en vertu de la vérité qui a été proclamée, en vertu de cette écriture qui est en train de se manifester, Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, bénis notre pasteur, notre berger, Seigneur, bénis ton serviteur qui a proclamé la parole, que les malades soient guéris. Que tes enfants reçoivent le Saint-Esprit. Que tes enfants reçoivent la pluie. Et que la manifestation puisse s'en suivre. Ils ont reçu la parole, Seigneur Jésus. La parole a été ensemencée. Et que la pluie de l'arrière-saison la suive. Parce qu'aujourd'hui, les deux pluies sont en train de tomber ensemble. Les deux pluies sont en train de tomber ensemble. Seigneur, sois élevé, sois honoré, sois exalté, parce que tu es Dieu. C'est le temps de l'adoption. C'est le temps de la manifestation. Et c'est le temps où tu montres clairement un ministère, un don que tu es en train d'utiliser puissamment, un don que tu es en train de confirmer par la parole, par la manifestation, par la vie. Oh Seigneur Jésus, et tout celui qui est connecté à cette action est en train de voir les résultats. Nous te disons merci pour nous avoir envoyé Malachi 4, le prophète William Aaron Branham, avec ses messages puissants. Il a ensemencé, il a travaillé, mais le travail doit continuer, parce qu'il faut que les enfants de Malachi 4 soient manifestés
Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui travailles dans la continuité. Sois loué Seigneur Jésus. Et nous sommes un peuple heureux, un peuple qui voit ces choses. Et nous te demandons Seigneur que tu puisses te révéler à chacun de nous et que tu puisses te révéler à ceux qui sont encore en train de traîner les pas, parce que l'heure est tardive. Et tu es, c'est toi qui agis dans la simplicité. Bientôt et très bientôt sera le départ. Mais en attendant Seigneur, puisse manifester les dernières semences, les dernières heures. Merci. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui va bientôt nous quitter pour aller à l'Est. Comme il a dit, il est venu charger et recharger la batterie. Et il part, étant bien chargé, que le réveil commence à Tembo pour se propager à tout l'Est avant que l'ancien ne puisse arriver là-bas pour constater le travail qui sera très bien fait. Oh Seigneur Jésus, nous sommes un peuple béni. Fais que nous puissions comprendre ce que tu es en train de faire. Parce qu'il est plus facile à l'homme de voir et de comprendre ce que Dieu a fait par le passé et de se représenter ce que Dieu fera dans le futur. Mais il est toujours très difficile à l'homme de comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi Seigneur Jésus, tu as dit à ton prophète de prêcher au peuple de Dieu, d'amener le peuple de Dieu à le croire, à croire Branham, sa prédication, sa vie, son témoignage et tout ce qu'il disait de la part du Seigneur. Et nous voulons croire, comprendre ce que tu es en train de faire par notre pasteur. Je sais qu'il n'est pas facile Seigneur, mais nous voulons avancer. Nous voulons le courage. Donne le courage que tu avais donné à Jésus, que nous puissions marcher comme des vaillants soldats pour conquérir le territoire. Seigneur, donne la montagne à chacun de tes enfants. Bientôt nous allons sortir, nous allons ramasser les dîmes et les offrandes. Bénis chaque mec qui mettra quelque chose dans le panier. Et bénis ce qui manque, ô Seigneur. Donne du travail à tes enfants. Nous sommes en train de vivre un temps difficile, une conjoncture difficile. Et tu nous avais dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde, de ce monde. Alors nous avons besoin, Seigneur, d'être bénis. Bénis cette église qui est la paix, qui est l'unité, qui est l'amour, que nous puissions mettre en pratique l'avertissement que tu as donné par ton serviteur que tu as utilisé ici. Après, nous repartirons, Seigneur. Raccompagne chacun de nous sur la route jusqu'à ce que nous serons dans nos maisons et nous continuerons à méditer cette parole. Éclaire notre esprit, Seigneur Jésus, afin que nous puissions saisir la portée exacte ce qui a été prêché ce soir. Au reste, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, d'avoir guéri les malades. Merci, mon Dieu, d'avoir rempli du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avoir éclairé, d'avoir donné la révélation à ton peuple. Merci. Sois loué, Seigneur. Sois honoré. Sois élevé au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, l'unique, vrai et le véritable Dieu. Amen. 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 Acclamons.